Yo l'équipe c'est Fred, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui la team va se retrouver pour un petit glitch très calme. Les gars, donc un glitch qui a déjà été présenté sur ma chaîne plusieurs fois les gars, qui est toujours autant fonctionnel. C'est le seul glitch duplication les gars qui est dispo sur GTA pour l'instant. Aucun autre glitch n'est dispo, tout a été patché malheureusement. C'est un glitch 100% solo les gars sur PS4 Xbox One, très facile à faire vous allez voir. Vraiment pas compliqué les gars, aucun timing excusez-moi. Donc c'est vraiment le fuego. Donc avant qu'on commence n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner les gars. Autant te laisser 500 likes, je pense que c'est possible. N'hésitez pas à la partager à tous vos potes, ça me ferait ultra plaisir la team. Et à vous abonner, ça vous fait plaisir. Donc je sais bien qu'il y a d'autres petits glitchs sur, avec le casino. Mais les gars, ça rapporte vraiment pas beaucoup comparé à ce glitch là qui rapporte 1 800 000 en même pas 10 minutes. Donc il est vraiment énorme les gars. On va checker tout ça ensemble. Je sais bien que j'ai déjà fait sur ma chaîne les gars, pas besoin de me le rappeler. Mais c'est le seul dispo pour l'instant. Vous m'avez demandé un glitch de duplication, j'en trouve. Donc les gars, tout simplement pour ce glitch, il vous faudra le centre d'opération mobile. Avec en module 3 le dépôt de véhicule personnel. Attention, tout dépend si vous avez le hauler custom en tracteur routier ou si vous avez juste celui du début. Vérifiez bien, moi pour ma part j'ai le hauler custom, je vais vous montrer les deux méthodes parce qu'il y a deux méthodes. Donc pour ce glitch ça dépendra de ce que vous avez. Soit vous pourrez le faire avec la boîte de nuit les gars, soit vous pourrez le faire avec le complexe ou soit vous pourrez le faire avec l'arena. C'est à vous de choisir. Moi pour ma part je vais vous montrer la méthode avec la boîte de nuit, mais vous pouvez très bien le faire avec les garages de l'arena ou très bien le faire avec le complexe. C'est vraiment à vous de choisir la team. Voilà. Je vous le dis, ça sera exactement la même méthode, donc je vais même pas besoin de vous la montrer. Moi, pour ma part, je fais celle avec la boîte de nuit, mais c'est à vous de choisir. Voilà. Donc, faudra aussi, les gars, donc, dans ce garage, moi, pour ma part, celle des garages de la boîte de nuit, il vous faudra des leggings à chuite. Plus vous aurez des leggings à chuite, plus vous aurez de duplication. Dans le centre de paresse mobile, à l'arrière du centre, les gars, n'oubliez pas, on met toujours le véhicule à dupliquer. Donc, bien évidemment... Moi pour ma part c'est la ici anticipation, c'est celle qui se revend le plus cher. Donc les gars n'oubliez pas qu'on duplique que des véhicules de chez Benis qui ont été transformés ou que des véhicules l'arena. Voilà tout ce qui est super sportif et tout ne duplique pas. Donc regardez bien, je vais vous montrer que dans un dégarrage ma boîte de nuit j'ai bien une Elegir H8. Voilà, moi bon, ce sera le numéro 3 pour ma part, vous vous mettez dans ce que vous voulez. Je le répète encore une fois mais pas obligatoire d'avoir la boîte de nuit. On peut très bien le faire avec l'arena ou le complexe la team. C'est vraiment à vous de choisir. Et quand vous aurez ça, il vous faudra un petit truc. Je sais qu'il faut pas mal de choses pour ce glitch malheureusement. J'ai oublié de vous le dire mais il faudra aussi le bunker forcément. Si vous avez le sort, il faut le bunker. Il vous faudra aussi un appartement de luxe. Ça je crois qu'il y en a énormément qui l'ont donc il n'y a pas de problème. Un appartement de luxe où vous pourrez choisir le choix d'intérieur. C'est très important. Il faut absolument pouvoir choisir l'intérieur. Comme ceci, comme je vous montre là actuellement. Voilà la team. Quand vous aurez tout ça, on va pouvoir débuter. Il faudra avant de commencer vous mettre en mode de visée libre. Donc soit via le mode éditeur, vous le changez dans les paramètres ou via le mode histoire. À vous de choisir. Il faudra aussi les gars se préparer à jouer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peu importe qui c'est, dans un mode de visée différent. Donc soit vous... rejoignez votre ami, soit vous rejoignez une communauté sur PS4, n'oubliez pas, il y a ma communauté Team Fries, les gars, elle est dispo pour tout le monde. Ou soit vous allez dans une session 30 joueurs pour ceux qui sont sur Xbox, vous ajoutez tout le monde un ami et il y en a plein qui vous accepteront sans souci. Donc préparez du foot déjà à rejoindre un ami. Donc quand vous allez débuter soit en session invitation ou en session public, c'est à vous de choisir la team. Vous allez débuter dans le bunker, là je vous montre tout simplement comment va être votre véhicule avec le tracteur hauler custom. Donc le tracteur routier hauler custom. Celui que moi pour ma part j'ai. Voilà. Donc vous devrez vous déplacer et le mettre exactement comme moi. Pour ceux qui ont l'autre tracteur, donc celui, donc le camion avec le nez allongé, on va dire, vous ne devrez pas faire comme ça. Je vous montrerai après sans souci. Regardez bien, vous allez mettre votre ici anticipation juste comme moi. Voilà, c'est parfait. Voilà, juste pour que vous ayez en haut à gauche le message flèche de droite pour rentrer votre véhicule dans le centre d'opération mobile. Et il faut absolument que vous ayez le rond bleu derrière votre centre d'opération mobile. Donc, eh bien, le message en haut à gauche, si je l'ai, je sors dans mon véhicule et que j'ai toujours le rond bleu, c'est parfait. Je répète encore une fois, c'est pour ceux qui ont le tracteur routier hauler custom. Pour ceux qui ont l'autre, je vais vous montrer tout de suite où il va falloir mettre le véhicule. En fait, il va falloir simplement le laisser à la place de parking. Voilà. Donc là, regardez bien, pour ceux qui ont tout simplement le... pas le hauler custom mais l'autre, tout simplement celui du début quand on achète le centre de paresse mobile. Il faudra tout simplement que vous le mettiez exactement comme moi, donc c'est-à-dire à la place de parking. Voilà. Donc vous le sortez et vous le mettez à la place de parking. Voilà. Au début de ce glitch là, je l'avais présenté, il fallait absolument le hauler. Maintenant, on peut très bien le faire avec l'autre camion. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour ceux qui n'ont pas le hauler, il n'y a pas besoin de le changer. Voilà. Donc vous laissez simplement là votre véhicule, c'est parfait. Donc c'est parti la team, là on va pouvoir débuter. Donc je vous montre bien, regardez bien qu'on est bien en 1.48, c'est parfait, c'est nickel. Et on va pouvoir débuter. Donc c'est parti les gars. On va tout simplement se téléporter à notre appartement de luxe. Voilà, donc on sort à l'extérieur du bunker.
Quand on est à l'extérieur du bunker, les gars, on va se téléporter avec les activités, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, regardez bien, on va rejoindre une activité tout près de mon appartement de luxe. Voilà, donc par exemple, on va choisir celle-ci. Voilà, bon, pour ceux qui n'auraient pas les icônes, les gars, voilà, je vais vous montrer. Pour ceux qui n'auraient pas les icônes qui s'affichent sur la map, vous allez dans Menu Interaction, Masquer icône, activité, et vous mettez tout affiché, tout simplement. Donc là, hop, je rejoins une activité tout près de mon appartement de luxe, carré. Lancer l'activité et c'est parti. Donc tantôt je vous avais demandé les gars de vous préparer un jeu d'un ami en mode de visée différent. Testez bien évidemment au préalable s'il est bien en mode de visée différent. Donc là c'est parti, je suis dans l'activité. Voilà, je vous montre ma communauté pour voir si vous voulez la rejoindre ou pas. Et là directement je rejoins mon ami les gars. Donc j'attends, je rejoins mon ami. Et je vais avoir un premier message d'alerte. J'accepte le premier message d'alerte, je refuse le deuxième, très important. Pour bien vous dire qu'il est en mode de visée différent. Forcément, quand vous avez trouvé une personne en mode de visée différent de vous, vous gardez toujours la même personne sans souci. Donc là, directement, je rejoins mon appartement. Donc là, les gars, c'est parfait. Surtout, ne plus appeler de véhicule personnel. Là, c'est terminé, on n'appelle plus de véhicule personnel. On prend que des véhicules de PNJ, la team. Donc là, c'est parti. On rentre à l'intérieur et on va dans notre appartement. Quand on arrive dans l'appartement, les gars, il faudra absolument que vous ayez un braquage. Ça, tout le monde a bien évidemment. Donc, un braquage, pas spécialement commencé, mais un braquage avec les missions de préparation obligatoirement. Si vous avez une phase finale de braquage en cours, soit vous la terminez, soit vous l'annulez et vous recommencez un braquage parce qu'une phase finale, ça ne fonctionnera pas. Il faudra absolument que vous ayez, comme moi, les missions de préparation. Ça, c'est très important. Donc, on va commencer à se bugger, la team. On va se mettre en face du tableau et regardez bien ce qu'on va faire. C'est super simple. Donc, on va se mettre en face du tableau. On va maintenir le bouton option, donc le bouton start, et quand on le relâche une seconde après, on fait flèche de droite. Très important la team. Voilà, regardez bien, vous voyez bien que là ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez bien que j'ai mon personnage qui est en arrière-plan du menu pause. Donc ça, c'est pas normal. On recommence. Donc on maintient le bouton start, quand on relâche directement flèche de droite. Là, vous voyez bien que ça n'a de nouveau pas fonctionné. J'ai toujours mon personnage en arrière-plan. Donc je fais rond-rond et je fais encore rond. Je maintiens le bouton start. Je le relâche une seconde après. Boum, flèche de droite. Là, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc là, c'est pas grave. Vous recommencez, les gars. Donc après, tout simplement, j'ai fait une petite coupure. Et là, les gars, on va recommencer en réussissant. Donc vous voyez bien que là, ça n'a pas fonctionné. Là, je recommence, les gars. Je mets en face du tableau. Je maintiens le bouton start. Je relâche flèche de droite. Là, vous voyez bien que je n'ai plus le personnage en arrière-plan. J'ai juste le tableau, le zoom du tableau. C'est parfait. Je vais mettre sur All-in. Et je vais lancer le pack d'entrée d'un monde criminel tranquillement. Je vais aller soit acheter des paquets de char card et je le relance. 2-3 secondes, parfait. Donc quand vous êtes là, vous faites rond, rond, rond. Vous faites rond et vous allez ouvrir votre menu d'interaction, les gars. Vous allez sur style de l'appartement. Et là, ça va être super facile. Vous voyez bien que là, il y a différents styles d'appartement. Donc vous voyez bien que mon style d'appartement, il y a une petite phrase en bas où seulement il explique. Essayez la théorie moderne, un style nature et contemporain pour votre appartement. Vous remarquez que ce petit paragraphe, il fait 3 lignes. Donc 1, 2, 3. Il arrête plus facile. Je vous mettrai une flèche de toute façon pour que vous compreniez. Il va falloir seulement appuyer sur tous les styles à 3 lignes. Vous voyez bien que là, c'est un style à 3 lignes. Donc on descend, en dessous c'est un style à 2 lignes, vous voyez bien les gars, c'est super simple. Un style à 3 lignes, à 2 lignes, un style à 3 lignes. Nous on va devoir appuyer sur les styles à 3 lignes. Donc par exemple le style moderne, voilà. Donc on appuie sur le style moderne qui est un style à 3 lignes. Donc on appuie simplement sur croix. Voilà, un petit écran noir. On descend, ça c'est un style à 2 lignes, on n'appuie pas. Le style coloré est un style à 3 lignes, on appuie. On descend, on cherche un style à 3 lignes, on appuie. Parfait, encore un écran noir. On descend, style à 3 lignes, on appuie, c'est parfait. Donc tant que ça nous fait des écrans noirs quand on appuie sur les styles à 3 lignes, on continue à le faire les gars, on s'arrête pas. Voilà, ça peut vous arriver, c'est très rare que vous le fassiez pendant 5 minutes, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, il faudra changer de session, excusez-moi. Mais sinon vous pourrez très bien le faire plusieurs fois et ça va fonctionner. Donc encore une fois les gars, on appuie que sur les styles où il y a 3 lignes, comme moi en fait, c'est exactement le même style que moi. Voilà, voilà, vous voyez bien que tout simplement je continue et à partir du moment quand je vais appuyer sur les 3 styles, et ben j'aurai tout le temps des textes. Vous voyez bien que là j'ai eu des textes mais je n'ai plus d'écran noir. Si je n'ai plus d'écran noir, c'est parfait. Si vous êtes bien bugué, vous allez faire rond, rond, rond pour tout quitter. Et là, en bas à gauche, je n'aurai plus la minimap. C'est parfait, je suis bien bugué. Il n'y a rien de plus facile. Donc là, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais mettre pause et je vais me téléporter à ma boîte de nuit. Voilà, maintenant, si vous le faites avec l'aréna, le complexe, ben, vous vous téléportez forcément à l'aréna ou le complexe. C'est à vous de choisir. Donc là, paf, hop, et je rejoins une activité la plus près de ma boîte de nuit. Encore une fois, les gars, c'est super, super, super simple. Voilà, donc quand je suis dans l'activité, encore une fois, je rejoins mes mamies que j'ai rejoint tantôt, celui en mode de visée différente, nous. Et quand je les rejoins,
Quand j'ai accepté pour le rejoindre, j'accepte le premier message d'alerte et je refuse le deuxième. Il n'y a rien de plus facile, les gars. La téléportation, c'est le truc le plus facile de GTA et le truc le plus rapide aussi. Voilà, donc quand j'y suis, je marche à pied jusqu'à ma boîte de nuit. Et c'est parfait. Voilà, donc je crois que c'était le garage numéro 3, le mien. Donc on va rentrer dans le garage numéro 3 où j'ai né les gears à chute. Donc voilà les gars, je sais que j'ai déjà présenté ce glitch, il n'y a pas de problème, mais ce glitch il est super super simple et c'est le seul glitch de duplication qui est encore présent et encore disponible. Vous me demandez tout le temps des glitches de duplication, donc les gars, c'est ce que j'ai fait. Donc on va prendre la LA Gear H8 dans mon garage. On rentre à l'intérieur de ma LA Gear H8, c'est parfait. Et on va mettre un petit coup d'accélérateur. Si vous sortez tout simplement à l'extérieur à pied, c'est parfait, c'est que vous êtes bien buggé. Là, vous voyez bien que j'ai sorti à pied. Si je suis sorti à pied, c'est que je suis bien bugué. Là, je vais remettre pause et je vais tout simplement me téléporter tout près de mon bunker. Me demandez pas pourquoi, les gars, je me suis téléporté aussi loin. J'en sais rien, il y a des activités tout près. Je sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas grave. Donc là, boum, on arrive dans l'activité, c'est parfait. Donc là, on accepte le premier message d'alerte, on refuse le deuxième et on se téléporte, boum, à l'endroit situé où on s'est téléporté. Là, on va marcher jusqu'à mon bunker. Croyez-moi les gars, le putain de chemin il était long. Donc là les gars, on se rejoint à notre bunker et c'est parfait. Donc comme moi je vous ai montré la méthode avec le tracteur routier et celui du début, malheureusement j'avais positionné mon véhicule à la place de parking alors que j'aurais dû le positionner tout près du pylône où je vous ai montré début de vidéo puisque moi j'avais le hauler custom, c'était là que je devais le mettre. Donc après je vous ai fait une coupure juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez bien, vous allez faire la même manip pour les deux. Vous allez rentrer d'abord une première fois dans votre véhicule. Vous ressortez tout simplement et là vous allez vous diriger vers votre centre d'opération mobile à pied. Voilà. On se dirige vers le centre à pied. Quand je suis dans le centre à pied, les gars, je vais traverser tout le centre d'opération mobile et sortir par l'avant de la remorque. Très important. Voilà, quand je suis sorti par l'avant de la remorque, les gars, c'est parfait. On va pouvoir récupérer notre ici anticipation et tout simplement la sauvegarder. Donc là, les gars, j'ai fait une coupure parce que, étant donné que moi j'ai le hauler custom, je ne pouvais pas la mettre là. Et ben, tout simplement, je vais vous montrer comment moi je l'avais positionné. Donc, bien évidemment, pour ceux qui l'ont mis sur la place de parking, il n'y a pas de problème, vous faites exactement la même chose que moi. Et pour ceux qui avaient le hauler, les gars, ben, on rentre une première fois dans le hauler, dans ici anticipation. On fait tout simplement flèche de droite et on accepte le dépôt de véhicule plein. Et pour ceux qui ont mis la ici anticipation à la place de parking, bien, même chose, on se déplace jusqu'au centre d'opération mobile. On fait flèche de droite pour accepter le message dépôt de véhicule plein. Et c'est parfait la team. Voici notre duplication, c'est nickel. Pour recommencer le glitch, très important les gars, il faut changer de session. C'est bien important, changer de session pour recommencer le glitch. Moi en tout cas sur ce, j'espère que vous aurez kiffé. Je vous fais plein de bisous la team. C'était la team Fries. Je vous aime, je vous kiffe la team. Allez, profitez bien de ce glitch. Bye tout le monde.